Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez vu ce matin, on a pris ça super relax. On s'est fait un bon déjeuner. On a fait les pancakes aux bananes de 3 fois par jour. C'est super bon. C'est comme plus léger, je trouve, que les vrais pancakes. Puis, en fait, c'est fait avec une banane écrasée. Là, c'est super bon. Puis, on a regardé sur les traces du Père Noël, le 2, parce qu'on avait regardé le 1 vendredi dernier. Donc, c'est ça. Puis, écoutez, aujourd'hui, on est dimanche. J'étais encore en pyjama parce que, écoutez, on en profite. Hein? Je trouve que dans le temps des fêtes, c'est vraiment le fun de juste comme relaxer un petit peu puis recharger nos batteries. En plus, on va juste avoir ça à faire cette année, là, vu qu'on ne courra pas à droite et à gauche voir la visite. Mais, c'est ça. Donc, on a pris ça relax. Puis, aujourd'hui... on n'a pas grand-chose de prévu. La seule chose que je veux faire, c'est passer ma Dyson. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à vouloir mon avis. Fait que je pourrais vous en parler aujourd'hui. Faut juste pas que j'oublie. Et sinon, on vient de recevoir notre boîte Coquette! Un beau petit cadeau à chaque semaine. Ouais. Hein, vous savez comment j'aime le principe. J'ai pas besoin de vous le répéter. Si d'ailleurs vous voulez l'essayer, mon code promo est juste en bas. On peut ouvrir ça dans le fond ensemble, comme ça, je sais pas, c'est comme une petite surprise, je trouve, à chaque semaine. Parce que souvent, moi, je commande mes boîtes 2 semaines en avance. Là, aussitôt que le menu sort, je sélectionne mes affaires, comme ça, je suis sûre de pas oublier. Fait que je suis tout le temps comme 2 semaines en avance. Puis en plus, le temps de le recevoir, c'est quasiment 3 semaines, Colin. Donc, tu sais, je m'en rappelle plus c'est quoi les choix de menu parce que j'ai fait les autres aussi des semaines après. Donc, c'est ça. Fait qu'on va ouvrir ça. Une petite surprise du dimanche. Veux-tu venir voir notre menu de la semaine, babe, ou ça te tente pas? Hein? Ok, je t'attends. Ok, 1, 2, 3. Oh, bonjour! Lui, il était prêt, ça fait longtemps. Ouais. Oh, miam! C'est un autre. Crevette style cajun. Mmh. Ouf, il y a un de deux qui a une salle à veine. C'est principe, Angie. Oh, oui, c'est lui. Regarde ça. Tu sais, au c'est chaud. Ah. Ça va bon, hein? Tu sais qu'elle choisit ça? Ben oui. Pourquoi? Je ne savais pas que ce serait ton style. Hey, ça a l'air vraiment bon. Ça a l'air full bon, toi. Ben oui, ça a l'air bien. Moi aussi, je trouve, mais j'avais pas cru que... Que j'allais prendre ça. Ouais. Nice. Fait que je vais vous présenter nos menus. Premièrement, le lanière de bœuf comme ça. À l'asiatique, genre, là, ça a l'air super bon. Bœuf croustillant, dans le fond, avec du brocoli. Je sais pas si on voit bien. Attendez. Ça mérite un beau zoom. Comme ça. Après ça, j'ai pris pizza aux artichauts. Et crevettes style cajun sur polenta crémeuse. Ça va l'air super bon! Puis sinon, la belle équipe de Coquette m'ont envoyé ça ici. Hey, ça va l'air trop bon! C'est des fondus de Monsieur quelque chose. Monsieur Hutches. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Puis justement, c'est drôle parce que mon chat et moi, on parlait que ça faisait full longtemps qu'on s'était pas fait une fondue puis qu'on devrait s'en faire une durant le temps des fêtes. Alors, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Il y a comme 4 sortes différentes. Et sinon, moi, dans le garde-manger, j'ai acheté ça. Ma belle-sœur m'avait déjà donné du... C'est comme du Nutella, là, mais de la marque Allo Simone. Je pense que c'est montréalais. Ouais, vers Montréal. Puis, c'était pas exactement la même sorte, je crois, là, qu'on avait essayé. Mais... ouais, ça me faisait de l'œil. Alors, j'ai commandé ça. Parce qu'on peut commander des petits articles dans le garde-manger. Donc, qui vient comme compléter nos recettes, qu'on soit en sac. De même. J'ai mis mon petit paquet cadeau là-bas. J'essaie de mettre un petit peu l'ambiance des fêtes, genre un petit peu partout dans la cuisine. Je vais ranger. Je vous avais mis à la place d'un verre. Puis, c'est ça, regardez. Dans mon petit coin café, j'ai mis des petites cannes de bonbons, puis j'ai reçu ce panettone-là, là, avec un colis. Oh my god! Il est tout mouillé! Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma machine à café, elle a débordé. Bon, le gâteau est intact, c'est ça l'important. Mais ma belle petite boîte, je vais la laisser sécher. Oh, Phil! Audi!
ça m'apprendra à comme retarder le changement de mon vider le petit truc à eau là, de mon café. En tout cas, je trouvais ça trop beau, mon petit panettone, là! Bref, on change de sujet. Maintenant, je m'en vais passer ma Dyson. Puis après ça, je vais vous en reparler parce que c'est ça, vous êtes plusieurs à vouloir mon avis. Puis quand je dis je m'en vais passer, là, c'est comme. C'est juste parce que là, je vais m'attaquer plus au sofa parce que je passe toujours la balayeuse sur le sofa vu que Banjo y va. J'utilise les petits outils, là. Mais sinon, j'utilisais comme d'autres outils avec ma balayeuse, là, normal avant d'avoir la Dyson. Mais c'est ça, quand je dis je vais passer. Tu sais, oui, je vais passer un petit peu grossièrement, mais je vous dis, là, ce qui est, je trouve, un changement de vie avec la Dyson, c'est que ça change la façon dont tu passes la balayeuse. Ouais. Fait que bref, là, je vais passer ma balayeuse parce que c'est ça qui est ça, puis je vais vous en parler tout de suite après, qu'est-ce que je veux dire par ça. Alors, j'ai terminé de la passer. Alors, comme prévu, là, je vais vous donner mon avis sur ma Dyson. Puis aussi, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous dire les plus et les moins. Parce que pour vrai, je trouve que c'est la meilleure balayeuse sur le marché. Pour être. Ben, en tout cas, je sais pas, je les ai pas toutes essayées, là. Mais en fait, je trouve que c'est la meilleure balayeuse que j'ai connue à date dans ma vie. Puis, mais c'est sûr qu'elle n'est pas 100% parfaite. Je vous dirais qu'elle est comme à 90% parfaite. Fait que je pourrais vous dire comme vraiment mes plus, là, qui sont nombreux. Puis mes petits moins, où est-ce que je trouve que il y a des petites choses que j'apprécie. Ben, pas que j'apprécie moins, mais admettons. En tout cas, vous allez voir. Alors, moi, j'ai la Dyson ici. Attendez. Donc. C'est ça, dans le fond, c'est la V11. Vous êtes plusieurs à me demander pourquoi que je suis allée vers ce modèle-là, parce que, tu sais, il y en a beaucoup des Dyson, comme vous savez. Fait que pourquoi je suis allée vers celle-là? En fait, moi, elle que je voulais vraiment aller, c'était la V10 Animal. C'était vraiment elle que j'avais spotée au début. Pourquoi la V10? Parce que c'était les modèles où est-ce qu'ils commençaient à avoir plus d'autonomie que les anciens. Donc c'est comme une heure d'autonomie. Mais c'est ça, c'est une heure d'autonomie en mode éco, mode genre turbo. Et là, on parle de 15-20 minutes, admettons. Fait que c'est elle où est-ce qu'il y avait le plus d'autonomie. Que c'était comme les modèles abordables qui commençaient à avoir plus d'autonomie. Donc 60 au lieu de 30 pour les autres. Donc je voulais aller pour cela. Et pourquoi la Animal? C'est parce qu'elle avait simplement plus d'accessoires que la Motorhead. Ouais, c'est ça, elle avait plus d'accessoires. Et pourquoi finalement je suis allée avec la V11? En fait, c'est qu'au Black Friday, on s'attendait à ce qu'elle soit spéciale, la V10, et elle ne l'était pas. Il y avait juste la V10 Motorhead qui était en spécial, mais comme je vous dis, elle a vraiment moins d'accessoires. Puis moi, je suis une fan des accessoires avec ma balayeuse. Donc, ça m'en prenait. J'ai une fan, puis avec un chien, j'ai pas le choix, là. J'en ai besoin. Littéralement, j'en ai besoin. Sinon, ma maison, elle sera juste comme pas assez propre à mon goût. Et finalement, on a décidé d'y aller vers la V11 parce que elle était comme... En fait, ma mère a décidé d'aller vers la V11 parce qu'elle m'a dit « Là, c'est moi qui te gâte avec ton cadeau de fête et de Noël. » Puis elle dit « Là, lui, il est juste... » Elle dit « Là, la V11, c'est la nouvelle. » Tu sais, comme la plus récente. Puis elle dit « Il y a juste 100 piastres de différence. » Fait que t'as qu'à être. On va venir pour elle. Puis c'est pour ça qu'on est allé vers elle. Puis en fait, avec la V11... une petite différence, c'est que la brosse est un petit peu plus puissante. En fait, les Dyson, là, c'est pas, vous achetez pas une Dyson pour sa force de suction, là, comme un aspirateur central, par exemple. Moi, j'avais une Electrolux aussi là, qui aspirait vraiment bien, où est-ce que t'sais, comme l'aspiration se fait bien. Une Dyson, oui, ça aspire, mais c'est pas ça sa force. Sa force, c'est vraiment combiné avec la brosse. Dans le fond, c'est une brosse rotative. Avec des petits poils qui fait en sorte que avec la suction et la brosse qui fait une rotation va vraiment emmagasiner tout le poil. Puis ça, je vous dirais, c'est vraiment un gros plus parce que ça ramasse vraiment plus. Pour vrai, là, je vous dis, mes planchers, j'avais pas de poils sur mes planchers, OK? Mes planchers étaient pas sales parce que je passe littéralement ma Dyson, je l'utilise à chaque jour. Puis regardez ce que j'ai réussi à ramasser.
De où est-ce que ça vient? Je ne sais point. Pour vrai, si vous avez des branchers de bois franc, nous ici, ils ont été bien installés, mais tu sais, des fois dans les maisons, ça a été comme moins bien installé, puis avec le froid, il va y avoir des craques qui vont se créer, là, ce qui est normal, mais des fois, c'est, les craques sont vraiment plus grosses parce qu'ils ont comme, au niveau de l'installation, ils n'ont comme pas attendu que le bois réagisse avec l'intérieur de la maison, mettons. Ou nous, à certains endroits, tu vois qu'il y a eu des petits dégâts d'eau, en même temps une plante qui a été trop arrosée ou quoi que ce soit. Puis il y a des petites craques. Mais là, ça, ça va te chercher dans les craques des planchers. Je vous dis, là, ça se crée de la poussière. Et ma maison, là, va être aseptisée. Pas long. ouais, fait que je vous dirais, ça, c'est vraiment un plus. Ça ramasse tellement, là. Mais moi, mon plus numéro un, c'est vraiment que ça a changé ma vision de passer la balayeuse. On l'a toujours de sortie dans le fond. C'est sûr qu'on va l'installer, nous, dans la cage escalier menant au sous-sol parce que ça s'installe. Premièrement, ça prend pas de place relativement à une balayeuse centrale. Parce que comme je vous disais, on avait hésité à s'acheter une balayeuse centrale. Puis ben c'est ça, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'elle s'accroche au mur, puis c'est plat, plat, plat. Tu sais, ça prend pas de place, là. Dans le fond, la prise, ça va au mur. Puis ça, c'est accroché, fait que dans un placard de cuisine, vous pouvez mettre ça. Faut juste vous assurer que vous avez une prise. Donc ça, moi, pour moi, c'était super important parce que rouler le stick de tuyau de balayeur central, c'est la chose qui me tape sur les nerfs le plus possible. J'en avais chez mes parents. C'est ça, chez mon père, c'était ça qu'il y avait, là. Puis, oh mon Dieu. Non, genre, ça, c'était vraiment le point numéro qui me dérangeait le plus. Hey, on mange-tu quelque chose? Ouais, ça, je suis en train de checker, tranquillement. OK. Donc, vraiment, ça, puis c'est ça, le fait qu'elle soit super accessible comme ça, c'est vraiment la force numéro un de la Dyson. Je vous donne un exemple, admettons, mon chum hier est rentré avec, il y avait comme de la boîte séchée sous ses bottes, il est rentré dans la maison pour aller chercher quelque chose pour Banjo, puis il a fait de la boîte partout. Fait que là, deux secondes, toi, je prends ma Dyson, on ramasse. T'sais, avant, j'aurais pas fait ça. T'sais, on l'aurait probablement laissé parce qu'on partait. Mais là, moi, j'avais comme pas encore mis mes bottes. Fait que deux secondes, on ramasse, c'est fini. Souvent, moi, le poil de Banjo s'accumule beaucoup dans les escaliers. Là, puis ça me dérange parce que, t'sais, je peux avoir, il peut avoir presque pas de poil, mettons, sur le sol. Mais dans les escaliers, ça va se ramasser. Puis, c'est la première chose qu'on voit dans la maison. Fait que je trouve ça comme un peu... Ça vient me déranger. Alors, ce que je faisais avant, c'est que ça me tentait pas d'aller sortir, moi, la balayeuse en bas, de plugger ça, de traîner mon traîneau avec dans les escaliers. Fait que souvent, ce que je faisais, plusieurs fois par semaine, je prenais un essuie-tout, puis je ramassais le poil, t'sais. Mais là, je sors ma Dyson. Des fois, écoutez, mon chum est en train de faire le souper, je suis comme, je vais la sortir, je vais ramasser un petit peu là, je la passe comme ça. Ou des fois, je suis juste genre ben trop dedans, puis je suis comme, je fais le tour de la maison avec. Tu sais, juste comme de même. Donc, ça change la façon de passer la balayeuse, parce que j'ai l'impression que je. Tu sais, là, je l'ai faite genre aujourd'hui, ok, je passe ma balayeuse, ça m'a pris 15 minutes, parce que. Et c'était pas sale, tu sais, j'ai juste passé beaucoup sur mon sofa, tu sais, je vous dirais que, tu sais, là, mon sofa, je vais continuer de le faire une fois par semaine, là, je le ferai pas plusieurs fois de même, juste pour le plaisir, là, mais, tu sais, ça change comme ta vision de dire, ok, aujourd'hui, je passe 30 minutes à passer la balayeuse. Non, tu sais, on dirait c'est que à chaque jour, je vais en faire comme un petit 5 minutes, juste ramasser les petits dégâts, il y a du poids, ça m'énerve, je vais faire ça, puis l'autre, tu sais, fait que bref, je sais pas si vous comprenez, mais puis là, tant qu'à être sortie, ben, tu sais, je ramassais les traces de boîte, ben tant qu'à être, je vais passer sur le tapis, je trouve qu'il y a un petit peu de poil. Fait que là, je passais sur le tapis. Donc, c'est vraiment, je trouve, ça change à ce niveau-là. Donc, pour moi, vraiment, j'achète. Puis comme je vous dis, ça ramasse comme plus, bizarrement. C'est comme si ça va chercher à des places où est-ce que la poussière ressortirait, où est-ce que le poil ressortirait finalement après quelques jours d'avoir passé la balayeuse. Donc, j'ai l'impression que ma maison, comme, elle reste propre plus longtemps. Voilà, donc ça, après ça, je vais vous parler de mes autres points parce que là, c'est ça. Fait que j'aime vraiment la facilité. Ça change ma façon de passer la balayeuse, je vous l'ai dit. Ça ramasse vraiment plus. On va se le dire, pas avoir de fil. En effet. Moi, en plus, j'avais pas juste le fil, j'avais le traîneau, là, j'avais une balayeuse traîneau. Fait que pour un deuxième étage, puis avec des escaliers, c'est vraiment pratique. Là. On t'achète une Dyson à la base souvent pour ça. Pas de sac.
Oui. ouais, parce que moi, j'étais tout le temps en train de le changer. Surtout avec un chien, ça se remplit vite. Ça change vraiment une vie. Ah oui, ce que j'aime aussi, c'est que dans le fond, moi, je la mets, il y a trois modes. Donc moi, je le mets au mode intermédiaire. Ah, oh, d'habitude, ça m'apparaît automatique, par contre. En tout cas, je sais pas c'est quoi. Éco, que ça, c'est un petit plus économique, là, éco-énergétique. Puis, il y a boost, genre turbo. Fait que là, ça, dans le fond, tu peux le changer. Mais moi, dans celui-là, dans le fond, ça fait comme automatiquement, avec la brosse, ça détecte comme le niveau... C'est comme automatique, là. Dans le fond, selon ta surface, ça change l'intensité de la rotation de la brosse et de suction. Regardez, je vais vous montrer. Quand je vais embarquer sur le tapis, ça va partir plus fort. Je vais vous montrer. Attention aux oreilles, ça fait du bruit de Dyson, par contre. Donc là, ça fait du bruit, mais là, regardez, quand je vais monter sur le tapis, ça va switcher. Ah, vous avez vu? Donc là, elle est plus forte. Puis là, quand je vais retourner sur le bois, vous voyez, ça redescend. Fait que c'est vraiment une plus. Puis d'ailleurs, en parlant, en étant dans le thème tapis, Banjo est juste derrière vous. Fait que désolé s'il fait des bizarres bruits. Banjo! La brosse, ce que j'aime, c'est qu'elle marche super bien pour les tapis. Moi, je devais changer mon type de brosse avec mon autre aspirateur. Donc là, ce que j'aime, c'est qu'elle marche super bien pour ça. Puis au niveau des accessoires, j'adore celui-là aussi, qui est comme un mini petite mini petite brosse. Ça va super bien pour les divans, là. Moi, en tout cas, on m'avait conseillé d'utiliser ça. En fait, si j'avais à magasiner une Dyson, d'y aller avec, puis en plus, c'est comme rotatif, hein, avec cet accessoire-là. Fait que pour moi, c'était vraiment un must. Il y a plein de bons petits accessoires aussi. Voilà. Tu sais, puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il s'accroche après la Dyson. Au début, je l'avais pas vu. Cette affaire-là qui s'accrochait, puis ça me manquait parce que sur mon autre balayeur, je les avais à portée de main, mes accessoires. Puis là, ça me manquait. Mais non, on les a. Juste celle-là qu'il faut que j'aille chercher. Puis sinon, mes petits points, c'est qui sont un petit peu moins, mais qui ne me feraient pas changer mon avis sur ma balayeuse et qui me la feraient vraiment pas échanger, mais que je trouve quand même important de partager si vous êtes dans votre achat, c'est que c'est quand même assez lourd à tenir. Ouais, je vous cacherai pas que... Ouais, moi, les gens, aussi, il faut que tu tiennes le piton, là. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, là. C'est ça, comme je disais, le bouton est quand même assez souple. Mais c'est lourd, là. Je vous dirais, c'est quand même assez lourd. Fait que... Mais écoutez, ça fait des muscles en même temps, là. Hein? Puis mon autre point, c'est que je vous avais marqué que les accessoires sont pas à portée de main comme mon autre balayeuse. Mais finalement, c'est juste moi qui n'avais pas installé la petite affaire pour mettre des accessoires. Donc, il y a ça. Peut-être une autre chose, un autre point. En fait, assez important, c'est que la V11 a fait quand même assez beaucoup de bruit de vibrations style marteau-piqueur au niveau de la brosse. Donc, si vous êtes en condo ou en appartement, ça risque de faire pas mal de bruit. C'est dû au fait qu'elle est vraiment très, très puissante comparativement aux autres modèles. La rotation est comme plus vite. Donc, ça fait une espèce de vibration que si vous avez un voisin en bas, peut-être qu'il vous appréciera peut-être pas tant. Puis aussi, il y a le fait que c'est ça, cette brosse-là est spéciale. C'est pas la brosse spécialisée pour les planchers de bois franc. Tu sais, il y en a vraiment une autre qui est vraiment exprès pour les planchers de bois franc. Fait que, tu sais, il faudrait peut-être que vous déboursiez pour celle-là, qui est quand même un 150$, je crois. Moi, je me la procurerai pas, j'ai de la misère, tout de suite. Le jour où je vais vernir mes planchers puis qu'ils vont être beaux, peut-être là oui. T'sais, parce que je vous dirais que c'est quand même assez rough quand même sur les planchers, cette brosse-là. Surtout que là, comme les petits poils sont comme neufs, là, fait qu'ils sont plus durs. Fait que c'est pas mal ça, donc ça va être long comme vlog, là, je m'éterniserai pas. Fait que c'est ça sur mon avis, je l'adore vraiment, là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a plusieurs qui me demandent qu'est-ce qu'on va faire avec notre balayeuse robot. Parce que mon chum m'avait demandé ça à Noël dernier, balayeuse robot. Dans le temps, c'était plus lui qui passait la balayeuse, là, c'était dans la maison. Ici, c'est plus moi parce que lui, il s'occupe des tâches extérieures.
On va la conserver. C'est juste que ça répond comme plus vraiment à nos besoins pour le moment. Avant, on laissait Banjo en cage, nous, quand on n'était pas là. Puis là, maintenant, il est là. Puis l'affaire, c'est que Banjo, il a l'estomac sensible. Fait que des fois, il y a des petits reflux. Et si tu passes, tu laisses ta balayeuse au robot passer là-dedans, mais ça t'étend le dit reflux un petit peu partout dans ta maison. Puis c'est ça. Puis si c'est de l'autre sens, c'est encore moins le fun. Donc, il y a ça. Puis quand, puis la laisser à la maison quand on est là, je vous dirais, ça fait du bruit et c'est long. Donc, tu sais, ça peut être quasiment 2 heures à attendre un bruit de balayeuse. Personnellement, ça me tape sur les nerfs. Vraiment solide. Donc, probablement, dans le fond, la balayeuse, nous, on va la laisser au sous-sol. Fait qu'on va la programmer pour qu'elle passe au sous-sol. Puis aussi, une balayeuse robot avec un chien, il faut que tu nettoies vraiment tous les accessoires après l'avoir utilisé. Donc, tous les petits trous, il faut que tu les enlèves pour enlever le poil qui s'est pris dedans. Puis en tout cas, à plusieurs petits endroits, même avec, après les brosses. Fait que c'est long. Tu sais, c'est comme quasiment 10 minutes à préparer ta balayeuse qui va la passer pour toi. Donc, tant qu'à être, je préfère comme passer les 10 minutes à passer la balayeuse. Je sais pas si vous comprenez. Mais pour le sous-sol, ça va être parfait parce que, tu sais, c'est ça. Ça va se passer tout seul, fait que ça va être vraiment plus parfait. Puis Banjo, il va pas beaucoup dans le sous-sol, en fait, il va pas. Donc, sauf quand, mettons, on est là. Donc, là, il y a pas beaucoup de poils. Il va en avoir un peu, là, quand même, parce qu'on en apporte avec nous. Mais c'est moins pire qu'au rez-de-chaussée. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que c'est assez complet comme avis, là. Je pense que oui. On s'est fait un bon petit dîner. Ouais, on avait ce pâté-là qui était comme sur le bord d'être plus bon. Fait qu'on s'est dit que tant qu'à le gaspiller, on allait se faire un petit dîner coquin avec un petit film de Noël. Puis on va même se prendre une petite coupe de vin. Hein? Why not? Why not? Salut tout le monde! Tu veux voir Banjo? Il est rendu plus tard. Dans le fond, comme vous avez vu, on s'est fait un petit plateau de charcuterie et de fromage. Genre dîner, mais sérieusement, il était comme 2 heures. Puis, on s'est bourré la face. Fait qu'on a vraiment trop mangé. Et on a regardé un petit film de Noël en plein milieu d'après-midi. Hein? Mais écoute, ça fait du bien de temps en temps. C'était, c'est sur Netflix, c'est Roche des Fêtes. Alors, ouais. Fait que c'était vraiment le fun. On a pris une petite coupe de vin. D'un vin que je me suis fait offrir, là. Ben, pas dans le cadre d'une collaboration, mais un produit offert, dans le fond. Puis, il était super bon. Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment très relax comme dimanche. Voyons, Banjo. Salut. T'es-tu tannant, toi? T'es-tu tannant? Gros, je suis pas assez tannant. Puis, dans le fond, je vais aller prendre ma douche. Je pense que j'aime faire, genre, vraiment, j'aime ça, le dimanche, j'aime faire comme, tu sais, genre, un exfoliant. Ah, oh, Banjo, tu m'as fait mal. Un exfoliant, puis de crémer, puis tout ça. Je vais laver mes cheveux aussi, sans Dieu. Fait que, ouais, puis je pense pas qu'on va... Ben là, on voulait faire un souper et cookies, mais je pense que ça va être de quoi, genre... Un petit réchauffage de restant, ou en tout cas, peut-être genre un petit ramen, ou... je sais pas, mais j'ai tellement pas faim. Mais tu sais, il faut manger un petit quelque chose, sinon on va se réveiller en plein milieu de la rue. De la rue. Qu'est-ce que je dis là? Voyons! Des Banjo, tu me déconcentres tellement! Ah! Excusez, il vous a donné un coup de tête. Bon. En plein milieu de la nuit, ça va aller mieux. T'es étonnant. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, que sinon on va avoir faim. C'est ça. Je pense que ça va regarder peut-être un autre film de Noël. On a pas en avoir écouté 3 dans une journée. On a regardé ce matin sur Les Traces du Père Noël 2. Puis là, on a regardé Roche des Fêtes. Puis là, je sais pas c'est quoi qu'on va regarder. Je sais que vous aimez ça savoir. Là, il y a quelqu'un dans sur mes vidéos qui m'a demandé de dire les titres des films. C'est vrai que j'oublie souvent. Mais en tout cas, pour vous donner des idées de quoi regarder, là, nous, on est en mode, on écoute juste les films de Noël depuis début décembre. Ouais. Alors, je mets fin au vlog. J'espère que vous avez aimé ça. Passez la journée avec moi. Puis ma petite review complète de la Dyson. J'espère que c'est ça, ça vous a éclairé si vous vouliez en acheter une, mais ouais, bel investissement. Bye tout le monde, à demain!